Salut à tous, ici Tactics. Alors nous voici pour ce troisième épisode sur le jeu Pokémon. Alors nous nous sommes arrêtés au centre Pokémon du Mont Sélénite. Monk, j'espère ne pas trop rager. Et on va se diriger en même temps à... Si je me trompe pas, c'est Azuria. Donc c'est parti. Nous voici dans la grotte avec une musique très stressante. Ah! Et voilà, je me fais déjà attaquer. Nosferati. Qu'est-ce que je sais de ce Nosferati? C'est un Pokémon poison. Je sais pas s'il est vol, en fait. Faut que je vérifie. Ah oui! Bah, poison vol. C'est bien pratique. Donc... Oh, salopard. Il me vole de la vie. Hop, je perds. Oh, critique. Ça va encore. Allez, parti, loin, voilà. C'était fini, c'est tout. Mon Pikachu, il est trop puissant. Allez, on continue notre chemin. Je vais passer par là. Ouais. Ah, un objet. Youhou, une potion. Ça m'évitera d'aller. Je me le fais ou je me le fais pas? Ok. Oh oh. Ça, par contre, ça, je déteste. Non, non, non. Je vais changer de Pokémon. Quoique, non. Oui, oui, il faut que je le prenne. Il faut que je l'attrape, il faut que je l'attrape. Bon, certes, mon isolant femelle. Ça fait mal. Double pied, prends-toi ça dans la face, espèce de caillou. Voilà. Bon, ça devrait suffire. Et il m'envoie la charge dans la face. Ouf. Allez, quand même. Allez, on va essayer de le capturer. C'est parti. Allez, 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 allez. Yes. Ça, c'est bien pratique. Ça va me servir plus tard pour le troisième champion. Parce que je sais que le troisième champion, il utilise principalement des Pokémon de type foudre. Et quand j'ai un Pokémon de type roche, ce sera inefficace. Non, je ne veux pas donner de surnom, je ne veux pas donner de surnom, vas-y... Voilà. Ok, Pokémon. Cracaille au niveau 10, il ne reste plus que 10 HP, ça va. Et pas encore... Oh ouais, encore un objet. Bah, c'était 12. Je me demande ce que c'est. Pistolet à eau. Oh! Non, j'ai pas spécialement de Pokémon de type O. Ah, putain. Un recueillou. J'ai pas envie de me battre, je fuis. Hop, on continue. Ah, putain. Et c'est le même. Bordel. Fuite. Ouais, baston! De quoi j'attends mes potes ici? Ah! D'accord. T'attends tes potes dans une grotte? C'est un peu suspect tout ça. Bref! Mélofée! Pikachu! Parfait. Hop! Ouais! Aïe! Da! Fuck! Putain, elle fait mal! C'est quoi ce truc? Oh putain, elle fait mal!
Oh. Ah non, c'est juste la force. Moi, j'ai pas besoin de force. Ça va. Aïe. Salope. Ah putain, comme elle fait mal. Ah putain. Ah, je suis deg. Ah, la sang. Ah, les Pokémon normales détestent ça. C'est parfait. Non. Ce truc m'a tellement fait chier auparavant. Voilà. Maintenant, je vais m'en prendre plein la gueule et tout. Pouf. Me prends une claque. Je dors encore. Je dors encore. Voilà. Je perds un tour juste pour me réveiller. Cherchez le problème. Wouhou! Niveau 16, c'est magnifique! Je me demande ce qu'il y a à me réserver après. Je sais pas s'il y a une évolution par la suite. Non, j'ai perdu? Oh, hein? Oh yes! Yes! Vous allez assister à l'évolution de mon ignorant femelle. Yay! Nidorina! Maquée! Yes! Maintenant, elle est devenue beaucoup plus puissante. Oh tiens, je vois un objet. Donc maintenant, il va falloir que je remette mon Pikachu sur pied. Ça me fait bien caquer. Où nous soignons les Pokémon soins. J'espère ne pas le perdre souvent, Pikachu, parce que sincèrement, ça risque de mal aller. Ça va être encore heureux. Allez, c'est parti! Je sais pas combien de temps je pourrais mettre sur mon Sélénite. Je pense que je risquerais de faire la vidéo en deux parties. À part si je fais ça un petit peu à la va-vite. Et que je prenne pas le temps de visiter. Wouhou! Pokémon, baston! Yes! Nosferapti! On va le... tuer. Je sais pas d'autres meilleurs termes. Ouh, presque one shot. Oh, je me fais aspirer de la ville. Magnifique. Allez, c'est parti. Bien sûr que c'est très efficace. Et il a pas encore up. Hop. Ah putain. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Ah. Je pense qu'on va bientôt aborder la Team Rocket. Mon dieu, il est moche. Il fait peur surtout. Sablette. Ah, un adversaire à ma taille. Maintenant, je lui envoie des vives attaques dans la gueule. Vu que c'est la seule chose que je peux envoyer, puis que ça ne fera pas de mal. Critique. Aïe. Ah oui, il fait mal. Ouh, un deuxième coup critique. Et griffe dans la gueule. Ça fait mal. J'espère ne pas recevoir un coup critique et qu'il faut que j'aille retourner. Ah oui. Je change de Pokémon. C'est bon, tu perds la précision. Mais j'ai trop de précision pour ne pas voir. Voilà, le sablette est fini. Oui. Je change de Pokémon, je reprends Pikachu. Et je pense que je vais plutôt faire le switch entre Pikachu et Nidorina parce que... il est trop faible pour ça. En même temps, ça va plus Nidorina. Oh, rien eu, j'ai presque rien eu, tu es nul. Ouais, ok, si tu fais des attaques de suite avec Vive Attaque, ça va pas aller, hein. Tu vois, quand je te disais que ça allait pas aller. Ah là là.
Hop, et un Pokémon de moins. Nosferapti. Oui. Et je pense que je vais utiliser la potion. Ce sera mieux. Alors, objet. Potion. Hop, soigner le Pikachu. Comme ça, il tient le coup. Et je peux me terminer Nosferapti. Ouh, j'ai perdu que 3 HP. Et moi, je vais te faire perdre beaucoup plus. Hop. T'aimes ça, hein. Ah, t'as loupé tes ultrasons. Et voilà, t'es fini. Ouais, maintenant je pense que j'ai... Hop. Yes. Magnifique. Allez, on va continuer notre partie. Non, oh, j'ai perdu. Oh, dommage pour toi. Fallait pas te frotter à moi. Allez, hop, hop, hop. Ah, fais chier. Ah, ça va, ça nous fera petit, ça va me servir à hop. Ouh, niveau 12. Oh putain. J'ai enlevé la moitié de sa vie. C'est génial. Allez, on continue. Et hop, plus de Nosferapti. Voilà, prendre l'objet. PV+, génial. Je vais m'en servir pour mon Pikachu. Et maintenant, il a... J'ai gagné qu'un HP. C'est l'arnaque. En plus, j'ai fait ce chemin pour rien, juste pour un PV+, quoi. Ah, mon dieu. Youhou! Oh. Oh, ça c'est rare. Faut que je chope. Déjà, cage éclair. Voilà. Comme ça, ça me... donne une occasion de plus pour pouvoir réussir à la choper. Elle fait baisser ma force, ça sert à rien parce que je n'utilise pas de force. Yes, coup critique, parfait. Qu'on se fasse. Ah ouais! Putain! Voilà! Génial! Et un Mélophée en plus dans la collection. Et en plus, ça fait monstre mal sur les crasse faces. Adoré pour son aspect mignon et joyeux, et il est considéré comme rare. On en voit très peu. Bah voilà. Non. Voilà pourquoi j'ai capturé le Mélophée. Eh, c'est encore parti pour des parties comme ça. Youhou, Nosferapti, je vais te... t'abattre facilement en 2-3 deux coups de cuir à peu. Hop. Ouh, presque un one shot. Et en plus paralysé. Et il me pique de la vie. J'arriverai pas à le faire up comme ça. Non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu de ce numéro. Ouf. Aïe. Ah, ça va, c'est encore... des Nosferapti, ça commence déjà à bien faire. Je pense que c'est loupé pour ne pas m'énerver. Parce que j'en croise tellement souvent des Nosferapti dans cette grotte, c'est horrible. Vous savez comment on pourrait appeler cette grotte? La caverne de Nosferapti. Sincèrement, on en croise tellement souvent de ce Pokémon à la con. On continue notre chemin. Ouais, voilà, quand je disais, que des Nosferapti dans cette grotte. En plus, niveau 6, one shot, quoi. Hop. Et quand je disais one shot, bah c'est one shot. Tada. Et on continue notre chemin, on descend. On prend l'échelle, on va voir. Ah putain.
À peine descendu de l'échelle, tu te fais attaquer par un Nosferapti. Et c'est toujours ce même Nosferapti. Et il devient chiant. Tu fais que de le croiser, et puis après tu commences à péter les plombs en disant « Putain, c'est con que ça arrête !» Et surtout qu'il va buter mon Pikachu, ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. Ah putain! Encore! Bordel. Bon, il va pas faire spécialement mal à Nosferapti vu qu'il est que niveau 9. Hop. 2 HP. Nul. Ouais, level up. C'est magnifique. Et j'ai combien de vie maintenant? 35. Génial. Changer de Pokémon. Et prendre mon Nidorina pour résister à l'attaque. ACT-01, qu'est-ce que c'est cette CT? Ultima point. Non. Je vais garder cette CT pour un Pokémon de type combat. Puis là, de toute façon, il est inévitable, donc... Ça peut se tuer aussi, alors tu me peux le moufler. Mouais. Quelle sympathie. Allez, c'est parti ma poule, j'ai toute chose sur toi, lui, je le bats très facilement avec l'aide de Nidorina, yeah. Me gusta. Bref, c'est parti, on va te faire quoi? On va t'envoyer des griffes dans la gueule, comme ça, ça te calmera un peu. Je deviens fou. Oh putain. Ah, ça je déteste. Ah, ça va. Ouh, ça fait mal. Je deviens dingue. Mais j'envoie quand même l'attaque griffe, c'est bon. Ça, c'est une des techniques qui est le plus utilisée pour Nosferapti et qui fait super chier. En gros, c'est... Ça vous rend fou. En gros, ça veut dire que vous devenez un peu confus. Entre parenthèses. Du coup, c'est soit vous attaquez le Pokémon avec l'attaque que vous avez choisie, soit vous reprenez les dégâts dans la gueule. Ce qui est chiant, parce que en même temps, ça fait une sorte de double attaque. Qu'est-ce que je fais? Non, je change pas. Et je finis avec ce abo. Griffe. Ah, merde, il est encore là. Ah, ça va y envoyer. Encore. Mais ça va, il fait pas spécialement mal. Putain, il est toujours dingue. Mais ça va, il obéit. Et maintenant, c'est un se sent mieux. Ouais, génial. Fini. On a chaud, là. On a chaud. Yeah, level up. Nickel. Ça avance bien, là. Mais, ouais, ça me fait chier quand même d'un côté, c'est que... Ah, Nosferapti. Nidorina. Ah. Et hop, prix de vampirisme. Voilà, fini. On peut rien faire ici. Ah, pourquoi moi? Foutez-moi la paix. Bordé. Bref, un peu de sérieux. Un coup de griffe. On lui enlève la moitié de sa vie. Il nous envoie des ultrasons.
Et je ne veux pas prendre de risque, je vais préférer prendre un cracaillou. Il est moche de dos. Il connecte la charge. Saloperie d'ultrason. Tiens. Je suis un caillou. Et je te frappe. Hop, je perds rien. Ah ouais? Carrément. Ok. Ah non. Ah, tu l'as loupé. Parce que j'étais déjà dingue. Encore. Voilà le problème quand on vous envoie ultrason dans la gueule. Ah putain. Je crois que je vais revenir en arrière. Putain. Toujours un Nosferapti. Merde. Non, je voulais pas envoyer la charge, je voulais envoyer griffe. What the fuck? Putain, comme je lui ai rendu cher. Non, on finit avec la charge. Ah, putain. Et voilà, encore une folie en plus. Pokémon. Roucoule. Se tue un petit peu, comme ça. Hop là, et je me perds. Ouh, ça c'est intéressant. Et un moins. Voilà. La vie. On peut l'absorber. Nous coulons Stordax. Et voilà, terminé. Maintenant, je sais que Roucoule est résistant aux attaques de Nosferapti. Maintenant, j'aimerais bien. Ok. Ça va, il est niveau 8. Tant que je fais lui marave sa gueule, wesh. Je lui envoie une griffe dans la gueule. Hop, on me prend de la vie. Aïe. Ouais, bien sûr. Et je lui renvoie une griffe dans la gueule. Voilà. Nickel. Donc c'est bon. Hop, et je parie que je vais encore en avoir un. Comme je le disais. Ah non, c'était un sablette, là. Intéressant. Ça pourrait me servir plus tard. Mais non, c'est juste éviter de crever, quoi. Ça va, il m'envoie un jet de sable, c'est pas trop méchant. Ouais, putain. Aïe! Ça va, il fait pas trop mal. Ouh, coup critique. Ouh. J'ai eu de la chance encore. J'ai encore eu de la chance. Maintenant, on va le capturer. Il est assez faible, donc du coup, la capture va se faire facilement. Tada! Nous voici avec un sablette. C'est magnifique! Tais-toi! Voulez-vous donner un surnom à Sablette? Non. Je crois que je vais plutôt utiliser la fuite parce que là, ça commence à devenir... Et en plus, il faut que j'aille me soigner. Ah, putain de sa mère, la pute! Fuite, vous prenez la fuite. J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de perdre de temps. S'il te plaît, laisse, foutez-moi la paix. Au moins jusqu'à la sortie. Allez. Non. Fuck. Voilà. Nous sommes dehors. Oh, centre Pokémon, je t'aime. Alors voilà, nous allons soigner nos Pokémon. Et malheureusement, il va falloir que je fasse une deuxième partie parce que j'ai aucune envie de rendre cette vidéo aussi longue que le tout premier épisode. Donc, on se réserve une deuxième partie pour le Mont Sélénite avec votre invité Tactics.
Et donc, si vous avez bien aimé ma vidéo, vous pouvez toujours me rajouter un j'aime. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez me contacter via commentaire ou même par MP. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne via le lien qui sera juste en dessous de la description. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir. Ciao, ciao !